Alors, je suis Didier Blas. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de ce qu'on a développé ici à l'université en partenariat avec la FMBDS. Alors, avant de commencer sur cette partie-là, je voudrais juste vous faire une petite introduction en vous disant que hier, je voulais faire un petit mot d'accueil, mais malheureusement, j'ai pas pu le faire. La faculté de pharmacie est vraiment très contente d'accueillir ce colloque de mycologie. Donc la doyenne de l'université qui s'appelle Christine Vinciguerra ne pouvait pas être là, mais en tout cas c'est quelqu'un qui est très passionné de mycologie, même si elle ne fait pas de la mycologie. C'est quelqu'un qui aime beaucoup la mycologie, et quand je lui ai proposé, donc quand j'ai été sollicité, que je lui ai fait remonter l'info pour organiser le colloque, elle a été ravie de cette organisation ici. Donc voilà, on est vraiment très content de vous accueillir dans la faculté de pharmacie, et on espère que vous êtes satisfait de cet accueil. Alors, ce que je vais faire, moi, là, aujourd'hui, ce matin, c'est juste vous présenter un petit peu ce qu'on a développé ici à l'université en ce qui concerne la mycologie. Donc, moi, je suis enseignant-chercheur ici pour... Il y avait la petite diapo de présentation, donc je vais me présenter. Donc, je suis enseignant-chercheur, en fait, ici à l'université, donc à la fac de pharmacie. Je fais mes enseignements en mycologie, donc en mycologie à la fois des gros champignons, mais aussi au niveau des micro-champignons. La petite complexité de mon statut, c'est que je ne fais pas ma recherche en mycologie, malheureusement. J'aurais bien aimé, mais c'est historiquement le laboratoire dans lequel je suis rattaché fait de la bactériologie. Donc voilà, je suis un peu schizophrène, c'est-à-dire que je fais une partie myco, et là c'est ma passion pour l'enseignement, et puis une partie recherche que j'aime bien aussi, mais malheureusement je ne peux pas l'appliquer facilement aux champignons, même si j'en fais un petit peu quand même, parce que j'aime beaucoup ça. Vous avez mon adresse mail, je vous ai donné mon adresse mail si vous voulez me contacter, notamment par rapport au DIU que je vais vous présenter ce matin. Donc n'hésitez pas à me contacter pour si vous avez des détails. Puis moi je suis là toute la journée, donc si vous voulez qu'on en discute, il n'y a pas de problème, je suis à votre disposition. Alors, donc je vais rapidement vous faire une petite intro pour vous présenter un petit peu ce qu'on a... Comment est-ce qu'on est arrivé à l'idée de créer cet enseignement ici à l'université? C'est un enseignement qui existait il y a quelques années, enfin il y a même une quinzaine d'années, et puis qui a été après interrompu. Et donc après, je vous présenterai comment on a mis en place ce DIU. Alors pourquoi c'est DIU? Parce que le I, c'est pour interuniversitaire. En fait, c'est un diplôme universitaire qui est labellisé entre plusieurs universités, l'université de Grenoble et l'université de Dijon. Je vous parlerai aussi du programme, des différents intervenants, et puis je vous parlerai des prochaines sessions, puisque le DU est actuellement en cours. Alors, pour nous qui sommes enseignants ici à la fac de pharmacie, c'est vrai qu'on essaye de pousser les pharmaciens à comprendre que l'une de leurs missions importantes, c'est de, pour les pharmaciens d'officine, c'est d'être capable de reconnaître les gros champignons, de reconnaître ces champignons. Si quelqu'un leur emmène à l'officine, ça fait partie de leur mission. Donc ça, c'est ce qui est écrit, on va dire, dans les textes, dans la théorie. L'enseignement de la mycologie, il a beaucoup évolué ces dernières années, pas dans le bon sens. Il faut le reconnaître. Les réformes successives qu'il y a eu, en fait, ont presque fait disparaître la botanique et la mycologie dans les facultés de pharmacie. Donc ça a été assez sévère comme réduction, puisque il y a à peu près entre 15 et 20 ans, un étudiant de pharmacie suivait en gros une quarantaine d'heures d'enseignement en mycologie pendant ses études, uniquement gros champignons. Ces dernières années, donc moi ça fait 7 ans que je suis ici à la fac, et ces dernières années, donc jusqu'à il y a 3 ans, on avait atteint un seuil critique, c'est-à-dire que les étudiants n'avaient en tout et pour tout que 12 heures de mycologie pendant tout leur cursus. Donc autant vous dire qu'ils sortaient de leurs études de pharmacie, ils connaissaient absolument rien aux champignons. Et ça, c'était pour moi en tout cas un vrai problème. Donc c'est... Heureusement, j'ai envie de dire, les associations dont vous faites partie, au fil du temps, ont pris finalement le relais par rapport à cette capacité, cette connaissance. Et donc, vous avez réussi à développer cette compétence au sein de vos associations, par contre, sans aucune reconnaissance.
C'est vrai que la personne référent reste le pharmacien, et puis vous, finalement, vous avez, en tant que membre d'association, vous n'avez pas beaucoup de reconnaissance par rapport aux compétences que vous avez et par rapport au travail que vous faites dans vos associations. Et puis, deuxième conséquence de tout ça, c'est qu'il y a de plus en plus de pharmaciens qui refusent d'identifier, de déterminer les champignons. Parce que ils estiment qu'ils n'ont pas assez de connaissances. Après tout, c'est assez logique, vu l'évolution des programmes. Et puis, il y a aussi le refus. Alors ça, c'est des problèmes de responsabilité. Parfois, comme ils ne se sentent pas très sûrs d'eux, ils refusent en fait de prendre le risque d'identifier un champignon parce que s'il y a un problème derrière, ils ont peur que les gens se retournent contre eux, en fait. Donc ça, c'est un vrai problème pour moi, de voir que les pharmaciens refusent de plus en plus ce genre de choses. Et pourtant, la demande, elle est de plus en plus forte. À l'heure actuelle, il y a un vrai phénomène que les pharmaciens voient, puisque moi, je suis en contact avec pas mal de pharmaciens, et ils voient ça au quotidien. Il y a ce qu'on appelle un retour à la nature, c'est-à-dire que les gens sont de plus en plus intéressés pour la consommation de produits plutôt naturels, donc ça peut être des plantes. Il y a un vrai boom de la phytothérapie à l'heure actuelle, et puis il y a aussi les champignons. Il y a un certain nombre de personnes qui vont ramasser des champignons en forêt, par exemple, et qui souhaiteraient pouvoir les consommer. Donc là, il y a un vrai engouement du public par rapport à ça, et le pharmacien n'est pas capable de répondre à cette demande à l'heure actuelle. Alors les conséquences de tout ça, c'est que ce qu'on voit au niveau des centres antipoison en France, c'est que les intoxications, elles sont en augmentation ces dernières années. Et même le nombre de morts également, chaque saison, est en augmentation. Donc on a un besoin en fait en déterminateurs qui est vraiment grandissant. Ça, c'est un vrai constat que je fais. Qu'ils soient pharmaciens ou qu'ils soient membres d'une association, ou les deux d'ailleurs, puisque parfois on a des pharmaciens qui sont dans des associations. Et donc on a beaucoup œuvré, notamment avec la doyenne, alors pas que nous, toutes les universités de pharmacie ont un petit peu levé le bouclier, enfin une bonne majorité des universités, en demandant en tout cas à ce que cette tendance justement des produits naturels soit prise en compte par les gouvernements. Et donc la dernière réforme qui a été mise en place il y a 3 ans est une réforme qui, j'ai envie de dire, repart dans le bon sens, puisque il y a eu dans les programmes un retour très fort des disciplines fondamentales qui sont la mycologie, la botanique et puis d'autres disciplines également. Et donc maintenant, donc moi j'ai ici, alors après ça s'est vraiment géré au niveau local, c'est-à-dire que c'est vraiment, je dirais, personne dépendant, c'est-à-dire que si un enseignant de la fac de pharmacie ne veut pas faire de mycologie, il n'était pas obligé de suivre le programme et puis on n'était pas obligé de développer ça. Moi je me suis vraiment battu, je vous le dis, ici à Lyon, pour que les étudiants puissent avoir un nombre quand même raisonnable, c'est pas parfait mais c'est raisonnable, d'enseignement en mycologie. Donc à l'heure actuelle, avec donc la réforme est maintenant en place, donc maintenant ils ont 9 heures de cours magistraux obligatoires. Donc dans ces 9 heures, ils vont voir tout ce qui sera tous les syndromes et puis toutes les clés en fait d'identification de ces champignons. Et puis ils vont avoir 22 heures de travaux pratiques. Travaux pratiques que je fais uniquement sur du matériel frais, où là, en fait, ils apprennent à utiliser donc toutes les clés d'identification pour essayer d'aller le plus loin possible. Donc, mon objectif à la fin de cet enseignement, c'est que ces futurs pharmaciens soient capables de reconnaître les principaux genres. Voilà. On ne peut pas aller beaucoup plus loin, faut rester raisonnable avec, avec une trentaine d'heures, on ne peut pas non plus faire d'eux des mycologues accomplis. Mais en tout cas, mon objectif, c'est qu'ils soient capables au moins d'identifier les principaux genres. Et puis ensuite, ils ont possibilité de suivre 36 heures supplémentaires. Donc c'est là aussi où je me suis pas mal battu pour obtenir ça. Et donc là, c'est un enseignement optionnel. Donc ils sont pas obligés de le suivre. Et donc cet enseignement, on l'a fait pour pouvoir avoir plus de poids. On l'a fait en partenariat avec la botanique, avec mes collègues de botanique, et donc on a mis en place ces 36 heures d'enseignement qui aboutissent en fait à l'organisation de l'exposition de mycologie ici à l'université. Donc ça va faire 3 ans qu'on l'organise, c'est un
vraiment un joli et un bel événement pour l'université, qui est fortement soutenu hein, par la doyenne, et puis qui est fortement soutenu aussi par des associations, puisque il y a un certain nombre de d'amis, hein, je peux dire que ce sont maintenant des amis qui viennent chaque année nous aider pour gérer cette exposition ici à l'université, et j'en profite pour les remercier. Alors, ce que je vois maintenant depuis 3-4 ans avec cette réforme, c'est qu'il y a un vrai engouement des étudiants pour cette discipline. Ça, ils me le disent. C'est clair qu'ils aiment, la mycologie. Les étudiants de pharmacie aiment cette discipline parce qu'elle est différente, parce que voilà, il y a à la fois un aspect un peu santé avec les problèmes d'intoxication, donc ça les intéresse. Et puis il y a aussi un côté assez technique dans l'identification. Voilà, il faut se casser un peu la tête pour aller identifier. Donc c'est vraiment une discipline qui plaît, hein. Ça c'est quelque chose, un message que je voudrais vous faire passer. Et la preuve est que chaque année, en fait, je suis obligé de refuser beaucoup d'étudiants, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui choisissent l'option, et je ne peux pas prendre beaucoup d'étudiants, malheureusement. Donc c'est un vrai constat que je fais. Alors maintenant, ma grande problématique, hein, c'est la question à laquelle j'essaye de répondre, et si vous avez des pistes, je suis preneur, c'est comment faire pour que ces étudiants continuent la mycologie. Alors ils ne pourront pas continuer la mycologie à la fac, hein, mais moi, mon objectif, c'est qu'ils continuent la mycologie dans les associations. Donc j'essaye vraiment de faire le lien, de leur parler du milieu associatif, d'essayer de les inciter à s'inscrire dans des associations, hein, de mycologie. Alors comment faire ça? C'est pas facile, hein, d'arriver à faire ça. Alors l'une des premières choses que j'ai mis en place, et ça vous l'avez certainement presque tous vu, c'est que je leur demande d'assister au moins à une expo de mycologie pendant leur année où ils font la mycologie avec moi. Au moins une expo. La plupart, ils en font peut-être même deux ou trois. Hein. C'est vrai qu'ils en font plusieurs. Et je leur demande d'être assez actifs. Hein. C'est-à-dire, je leur demande pas juste de venir et puis de regarder ce qui se passe, mais je leur demande vraiment d'essayer d'être actifs dans l'exposition. Ça marche pas mal pour certains. Évidemment, il y en a d'autres qui sont... Il y a toujours, hein, des gens qui sont moins intéressés que d'autres, mais ça marche pas mal. On arrive à détecter certains étudiants qui sont très motivés. Mais je me rends compte que c'est pas suffisant, parce que même des étudiants qui sont très motivés et qui vont faire plusieurs expos et qui reviennent très contents me disent que, enfin, ne continuent pas derrière, c'est-à-dire que je les vois pas s'inscrire dans des sociétés de mycologie. Alors, il faut vraiment arriver à trouver d'autres pistes. Hein. Moi, encore une fois, je suis preneur. Si vous avez des idées, si vous voulez qu'on essaye de créer plus de partenariats avec l'université et vous, il n'y a aucun problème pour moi. Il faudrait qu'on arrive à trouver d'autres pistes, hein, pour essayer de les inciter à rejoindre ces associations, hein, pour pouvoir continuer la mycologie. C'est aussi valable pour la botanique, d'ailleurs. Alors c'est vrai que je profite d'aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'au fil des années, on a vraiment tissé des liens, hein, très très forts, hein, avec les associations, alors plutôt locales, hein, on va dire, mais pas seulement, hein, pour nous donner des champignons, hein, dans les périodes de sécheresse. On s'est beaucoup retourné vers vous pour pouvoir maintenir nos enseignements. Donc ça aussi, ça nous a apporté beaucoup de choses. Hein. On a aussi des partenariats avec des associations avec lesquelles on organise la fête mycologique à Luce-la-Croix-Haute chaque année. Et puis aussi ceux qui viennent participer pour notre exposition. Donc ce lien, j'aimerais vraiment qu'on le maintienne, et puis j'aimerais qu'on le développe si on peut. Alors, encore une fois, le problème pour moi, c'est qu'il y a un nombre important de pharmaciens qui, finalement, n'ont pas bénéficié de suffisamment d'enseignement en mycologie, qui ne sont pas suffisamment formés. Donc, du coup, depuis longtemps, hein, ça fait presque 5 ans maintenant, hein, qu'on réfléchissait à l'idée d'organiser un diplôme universitaire pour pouvoir former les pharmaciens aux gros champignons. Et je me suis rapproché ces dernières années donc de différents enseignants, donc des enseignants de Dijon, donc Nathalie Silly, et puis un enseignant de Grenoble, Bello Mouhamadou. Et puis on a décidé de proposer une formation qui sera en partenariat avec ces trois universités. Et puis, assez curieusement, on avait fait donc ce travail, et puis assez curieusement, le hasard, hein, fait souvent bien les choses, on a eu des contacts avec le bureau de la FMBDS, notamment par Espérance, par le biais d'Espérance. Et lors de ces prises de contact, hein, on s'est
enfin, la FNBDS nous a indiqué qu'il y avait une préoccupation au niveau de la fédération d'essayer de trouver une solution pour valoriser par un certificat ou par un diplôme des compétences qui étaient existantes au niveau des associations. Donc l'idée, c'était d'essayer de trouver une formule pour pouvoir reconnaître les compétences qui sont au sein de ces associations. Alors du coup, on a mis en place cette démarche donc, de création du DU, notamment, comme je vous le disais, il y a beaucoup d'intoxication chaque année. Là, je vous ai sorti les chiffres de 2012, par exemple, en octobre 2012, où il y avait eu 660 cas d'intoxication, dont 3 décès. Et ça, ça a été à peu près en 3 semaines. Et puis, je vous ai mis aussi une petite figure sur les bilans d'intoxication en Suisse, entre la comparaison entre 2013 et 2014. 2014 qui était une année assez, assez favorable pour le développement des champignons, notamment. Et puis, pourquoi est-ce qu'on a mis aussi en place cet enseignement ? Il y a un gros succès de l'exposition de mycologie ici à la fac depuis 2012. On sent qu'il y a ce besoin de formation complémentaire qui est demandé par les pharmaciens. Et puis, il y a ce besoin aussi de formation d'associatifs qui sont sur le terrain. Et donc, on a aussi bénéficié, il faut le dire, du soutien de la FNBDS pour monter cet enseignement, pour le créer. Je pense que si la FNBDS n'avait pas été là, on n'aurait pas pu créer cet enseignement. Puisqu'il y a, j'ai mis une cinquantaine, j'espère que je ne me suis pas trompé dans les chiffres, je crois qu'il y a une cinquantaine d'associations. Combien ? 47, donc tout va bien, je suis dans les clous. Donc voilà, 47 associations qui sont membres, et donc du coup, ça nous a apporté beaucoup de choses. Alors, au tout début, on avait eu envie, avec Espérance, et puis Philippe Savuc, on avait beaucoup discuté avec eux. La première idée, c'était d'essayer de se caler un petit peu sur ce qui était proposé par une société qui s'appelle la VAPCO. Je ne sais pas si tout le monde connaît le fonctionnement de la VAPCO. C'est un organisme suisse qui va regrouper des contrôleurs, former et regrouper des contrôleurs qui sont là pour aller justement contrôler des récoltes de champignons, notamment sur des marchés ou dans des entreprises. Donc l'idée au départ, c'était ça. C'était d'essayer de voir si on pouvait pas créer quelque chose un peu sur le même modèle. Et puis très rapidement, on a rencontré les responsables de la VAPCO. Et très vite, on s'est rendu compte qu'on pouvait pas l'appliquer malheureusement au fonctionnement d'université. Ça reste assez rigide. Donc on pouvait pas transposer ça facilement. Et donc, on a finalement choisi de rassembler les deux idées, c'est-à-dire l'idée de former les pharmaciens à la mycologie et puis aussi l'idée de valoriser les compétences présentes dans les associations par un diplôme. Et donc on a mis en place du coup ce diplôme universitaire qui a donc ouvert l'année dernière pour la première fois. Donc on a eu 17 inscrits. Dont 14 qui venaient de la FNBDS. Donc vous voyez à quel point le partenariat avec la fédération pour nous est vraiment précieux. Donc merci à tous ceux qui sont là. Il y en a qui ne sont pas là, mais tous ceux qui sont là, merci de nous avoir fait confiance aussi pour essuyer les plâtres sur ce premier enseignement. Quels sont les objectifs donc de cet enseignement ? C'est d'être capable d'identifier les principales espèces comestibles, toxiques et mortelles. Être capable également d'expertiser les cueillettes. Donc il y a une vraie notion d'expertise dans cet enseignement. Être capable également d'identifier les syndromes qui sont liés à des intoxications par des champignons. Et puis il y a une notion d'écologie aussi qu'on a essayé de mettre en place dans cet enseignement avec des compétences, développer les compétences pour mieux connaître l'écologie des champignons. Donc la finalité de ce diplôme, c'est de délivrer aux diplômés en fait une accréditation. Vous aurez les personnes qui vont terminer le DU auront un diplôme universitaire en mycologie, donc en mycologie des gros champignons, ce qui va leur permettre de pouvoir mieux dispenser des conseils pour les officinaux, donc pour les pharmaciens d'officine, ce qui va permettre aussi d'assurer le soutien auprès des professionnels de santé, et puis aussi de protéger l'environnement, et puis aussi de pouvoir assurer des formations à l'intérieur des sociétés mycologiques pour les gens qui le souhaiteront. Alors, comment est organisé ce diplôme ? Il est organisé sur 2 ans. C'est une petite particularité. Alors, pourquoi est-ce qu'on l'a organisé sur 2 ans ? En fait, on est obligé de faire au minimum
110 heures d'enseignement et mettre 110 heures sur l'automne, puisque bah, vous savez très bien que la période des champignons est assez restreinte, c'était compliqué. Surtout que nous, on a aussi d'autres enseignements en parallèle. Donc, c'était trop compliqué. Donc, du coup, on a décidé de le mettre sur 2 années. On a créé 4 modules. Et puis, l'avantage de se mettre sur 2 années, c'est que si on a une année qui est un peu plus sèche que l'autre, eh ben, on peut essayer de se rattraper sur l'année suivante. L'autre avantage aussi, bah, c'est que ça permet aussi d'étaler un petit peu le coût, hein, donc le prix sur les 2 années. C'est plus facile pour nous, hein, pour les enseignants qui sont impliqués, puis les intervenants aussi. On les mobilise peut-être un petit peu moins longtemps. Et donc, on a mis en place ce diplôme interuniversitaire qui, finalement, n'est en partenariat qu'avec Grenoble et plus avec Dijon. C'était trop compliqué pour Dijon. Donc, c'est un diplôme interuniversitaire entre Lyon et Grenoble. Et donc, ce qui a été décidé, c'est qu'il va y avoir une alternance d'enseignement, c'est-à-dire qu'une année, une session, on va ouvrir à Lyon, donc ce qui a été le cas en 2014, et une autre session devrait ouvrir à Grenoble. Donc, ça sera en 2016. Donc normalement, la prochaine session en 2016 ouvrira à Grenoble. Donc pour l'instant, c'est encore pas totalement certain, mais ça devrait pouvoir s'organiser comme ça. Alors comment est-ce que c'est organisé au niveau des enseignements? Donc il y a 2 phases, 2 années en fait, de à peu près 50 heures chacune. Et on a essayé de bloquer à chaque fois les mêmes créneaux. Donc c'est entre septembre et octobre, et donc il y a 2 modules de 3 ou 4 jours. Donc pour la première année, ce sont surtout des conférences le matin et puis l'après-midi des travaux pratiques, donc avec du matériel frais, ce qui permet donc d'acquérir les notions de cours plus rapidement. Et donc on travaille uniquement avec du matériel frais. Pour la seconde année, donc là il y aura des séminaires aussi le matin, souvent des travaux pratiques et puis il y aura surtout une grosse partie sur le terrain. Donc il y a un module complet de formation sur le terrain, en immersion, on va dire, qui va vraiment permettre de mieux appréhender aussi l'aspect écologique des champignons, l'aspect morphologique et l'aspect organoleptique. Alors, le public que l'on vise pour cette formation, bah, évidemment, je suis enseignant dans la fac de pharmacie, donc j'ouvre ça évidemment aux pharmaciens. J'ai aussi proposé à ce que ça soit ouvert aux médecins, parce que je pense que c'est important aussi que les médecins soient sensibilisés à cette discipline, et puis aussi des personnes qui travaillent pour l'Office national des forêts. Évidemment, on ouvre aux membres des associations de mycologie, notamment les associations de la FMBDS, qui est un partenaire vraiment privilégié pour nous. Au niveau de l'inscription, c'est sur dossier, donc c'est relativement... Enfin, bon, on est une administration, donc parfois l'administration, c'est un peu compliqué. Donc le dossier n'est pas toujours très simple, enfin globalement, il se fait relativement bien. On peut demander un questionnaire d'évaluation si nous on estime que le candidat n'a pas le niveau suffisant, ce qui n'est pas le cas pour les personnes qui viennent d'associations, puisqu'on considère que les personnes qui viennent d'associations sont quasiment inscrites d'office. Pour les pharmaciens, il n'y a pas de prérequis particulier. Par contre, pour les médecins, l'Office national des forêts et puis les membres d'une association, mais ça pose aucun problème. On demande juste une attestation stipulant qu'ils ont fait au moins une année dans une société de mycologie. Alors pourquoi est-ce qu'on demande cette attestation? Parce qu'en fait, on ne commence pas au niveau débutant. Quand on a discuté avec Espérance, on s'est dit qu'il ne fallait pas qu'on commence forcément du niveau débutant, parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est stimuler un peu aussi les pharmaciens, les médecins, à aller faire une année de formation dans les sociétés de mycologie. Et donc, du coup, ça va aussi permettre aux associations de valoriser leur formation interne, puisque vous avez vos formations en interne. Et donc, on considère que le rôle, entre guillemets, des associations, c'est de former les gens à un niveau, je dirais, de base. Et puis ensuite, nous, on propose de prendre le relais si les gens, évidemment, le souhaitent. Donc ça permet de valoriser, en fait, de conserver l'intérêt des formations qui sont au sein des associations et de ne pas venir se percuter, en fait. Alors, les associations, encore une fois, vous avez un rôle majeur dans la formation qui va permettre, en fait, aux gens d'atteindre ce niveau de base dont nous, on a besoin, pour qu'après, on puisse leur faire démarrer le DIU.
Alors au niveau du programme, donc le premier module est basé sur 3 jours. Donc il est organisé la dernière semaine de septembre, ça sera toujours sur cette semaine-là. Qu'est-ce qu'on voit sur ce premier module? C'est vraiment des généralités, on parle un petit peu de mycologie environnementale, et puis on voit les genres, en tout cas les classes les plus abordables, hein, donc les boletales, les amanitales. On fait un petit peu d'initiation à la microscopie pendant ce premier module. Et en général, donc le matin, c'est la théorie. L'après-midi, c'est de l'entraînement sur du matériel frais. Au niveau des intervenants, sur le premier module, donc il y a Caroline Paillard qui a organisé ce DU avec moi, que vous connaissez sans doute très bien. Nathalie Segui, donc de Dijon, et puis moi-même. Au niveau du module 2, donc c'est toujours sur la première année, donc c'est 4 jours. Celui-ci s'organise l'avant-dernière semaine d'octobre. Et là, on voit un petit peu plus de choses. Donc là, on a vu, donc du coup, c'était l'année dernière. Donc on a vu des lépiotes, les lactaires, les russules, les sporéroses. Et puis, donc là, c'est pareil, même organisation. Le matin, plutôt la théorie. L'après-midi, plutôt l'entraînement sur matériel frais. On a vu aussi un petit peu des choses sur les intoxications. Et là, donc, au niveau des intervenants, donc on retrouve Caroline Paillard, il y a Christian Hurtado qui est venu, Pierre Roux, Gilbert Bontou et puis moi-même. Au niveau du module 3, donc le module 3 va être organisé à partir de cet automne, il va être aussi la dernière semaine de septembre. Donc là, on va aborder notamment les bouleversements au niveau de la classification. Hein. Vous savez qu'il y a des gros changements ces dernières années avec la biologie moléculaire, hein, sur la classification des champignons. Donc ça va être abordé. Et puis là, on va commencer à attaquer des genres parfois un petit peu plus complexes. Hein. Donc on va aller vers les cortinariales, par exemple, ou les autres genres plus compliqués, et ça on va les aborder en fonction de la couleur de la sporée. Il y a aussi des interventions sur les ascomycètes qui sont prévues, et là on garde le même schéma, donc matin théorie et l'après-midi entraînement sur du matériel frais. Au niveau des intervenants, donc il y a Patrick Chapon, il y a Guillaume Essartier, il y a Bello Mouhamadou, il y a Bernard Champon, et puis moi-même également qui va intervenir un petit peu. Et puis le dernier module, donc le quatrième module, qui est organisé sur 4 jours, qui sera aussi l'avant-dernière semaine du mois d'octobre. Là, c'est la session sur le terrain. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de faire de la mise en situation. On va essayer de se plonger, hein, d'être en immersion pendant 4 jours dans le monde des champignons. On va essayer d'appliquer sur le terrain tout ce qu'on aura pu voir en théorie pendant les 3 modules le précédent. Il y aura encore un tout petit peu de théorie le matin pendant 2 jours, et puis l'après-midi, donc des sorties sur le terrain. Et puis les 2 derniers jours, là, ça va vraiment être que du terrain, c'est-à-dire le matin, on ira ramasser, et l'après-midi, ça sera de la détermination. Et là, au niveau des intervenants, donc il y aura Caroline Paillard, Nicolas Van Vouren aussi, qui va nous rejoindre, Luc et Josette Faciotto, Nathalie Segui, Bello Mouhamadou et moi-même. Alors, au niveau de l'inscription, comment ça se passe? Alors, en fait, si vous voulez vous inscrire, donc les droits d'inscription sont de 550 € par année, plus les droits universitaires. Donc les droits universitaires, c'est environ 150 €, ça varie un petit peu en fonction des années. Alors ça peut vous paraître élevé, juste à titre de comparaison, un diplôme universitaire, je pense qu'on est les moins chers de France, hein, un diplôme universitaire en moyenne c'est à peu près 1 500 € par an. En gros, la moyenne, c'est ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est complètement autofinancé. On n'a aucune aide de l'université financière. Hein. Donc, le diplôme doit s'autofinancer. Donc, en fait, ce sont les gens qui s'inscrivent, qui payent les intervenants, qui payent les salles, qui payent tout, en fait. Hein. Donc, c'est vrai que c'est un coût, hein. Ça, j'en ai conscience. Donc, on a beaucoup, beaucoup travaillé avec la FMBDS pour essayer de réduire au maximum les coûts. Donc, on a réussi à atteindre ce tarif, qui, je pense, hein, est vraiment compétitif, de 550 €. En plus, vous avez une aide de la FMBDS, hein, donc, qui vous permet donc de réduire les coûts. Et si vous êtes en activité, vous pouvez même faire financer cette formation. Donc, il y a à peu près 16 personnes au minimum qui doivent s'inscrire pour qu'on puisse ouvrir la formation. C'est pour ça aussi que la toute première année, donc en 2013, on n'a pas pu ouvrir, puisque on a eu l'accord de l'université très tardivement, et le temps de mettre en place les inscriptions, on n'a pas réussi à atteindre le chiffre de 16. Donc on n'a pas pu ouvrir en 2013, c'est pour ça qu'on a pu ouvrir en 2014. Au niveau de l'évaluation, parce qu'il y a une évaluation, c'est un diplôme, hein, donc on va forcément juger aussi, en tout cas essayer de mesurer les acquis.
Donc à la fin de chaque module, hein, il y a une évaluation qui est prévue. Il y a donc 4 évaluations en tout, des évaluations au niveau pratique, mais aussi au niveau théorique. Et puis il y a donc une évaluation finale à la fin du dernier module, hein, pour valider le diplôme et donc permettre aux personnes de l'obtenir. Donc pour cette première promotion, alors je voulais retrouver une photo, parce qu'on a pris plein de photos, mais malheureusement, j'ai pas réussi à retrouver une photo de notre première promo. J'en suis très fier de cette première promo, ça se passe très très bien. Donc ça a ouvert en 2014, hein, ils sont 17. Donc on va faire les modules 3 et module 4 cet automne, donc j'espère que tout continuera à se passer aussi bien. Donc la prochaine promotion, elle sera organisée donc en septembre 2016. Normalement, donc, elle devrait être organisée à Grenoble, hein, je vous le redis. Le tarif n'est encore pas totalement défini. Ça ne sera pas forcément le même tarif qu'à Lyon. Donc, ils vont essayer de se caler à peu près, mais ça ne sera peut-être pas forcément le même tarif. Et puis, cette formation reviendra à Lyon en 2018. Donc, sera à nouveau organisée ici en 2018. Sauf si Grenoble ne peut pas l'organiser. À ce moment-là, nous, on l'organisera ici en 2016. Voilà. Donc, je remercie les organisateurs de ce colloque, hein, de m'avoir permis d'intervenir ce matin et de vous présenter cet enseignement. Je remercie aussi les universités partenaires. Et puis, si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Merci.